Mais dans l'intimité, tu l'appelles Sting ou Gordon? Dans l'intimité, je ne vais pas te dire. Tu l'appelles Darling? Non, Shitface. Ah. Alors, Trudy Styler, tu es la femme, l'épouse de Sting. Tu as bien de la chance. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de filles ici qui t'envient. Oui, mais écoute, il a de la chance aussi. Ah bah ouais, quand on te voit, on en est sûr. Alors, tu as deux enfants avec lui, mais avant de le connaître, tu étais comédienne. Et là, maintenant, tu reprends ton métier de comédienne. Tu as appris au Old Vic Theatre, c'est ça? Oui, avant Shakespeare. Ouais, pas mal comme école. Et avec Peter O'Toole aussi, non? Oui, exact. Mais tu as appris à boire ou à faire du théâtre, Peter O'Toole? Oh non, il n'a pas bu depuis 10 ans. Il a arrêté de boire? Oui, ça c'est sûr. Alors, tu vas nous raconter l'histoire, il faut raconter un peu. Un peu d'histoire? C'est un amant qui retourne rendre les clés à Je sais parce que je parle français comme une vache espagnole. Non, pas du tout. Bon, l'histoire est que la femme, ouais. Eva, c'est toi? C'est moi, ouais. Est incarcérée dans un loft avec un mamba, c'est un serpent. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il lui ramène les clés, lui dit au revoir, hein, le quitte. Et puis lui, il l'enferme à l'intérieur d'un loft, oui. Donc il y a juste une verrière au-dessus. Oui. Il peut pas, la fille, elle peut pas bouger, elle peut pas sortir de là. Voilà. Et puis lui, il se met dehors et puis il a un système pour contrôler tout ce que fait le serpent, quoi. Ouais. Et il peut voir ce qui se passe avec elle parce qu'il a un computer dans sa voiture, ouais. Et dans sa collier, il a mis un petit micro, quoi. Ouais, un micro-émetteur. Ouais. Et puis il a mis la même chose dans le dos du serpent. Ouais. Donc il peut les voir tous. Et quand il les voit tous ensemble, il sait que, ouais, que le serpent s'approche d'elle. Ouais, ouais. Il l'a vu, Sting, le film? Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit qu'il a très peur des serpents. Ouais. Tu préfères Sting ou Gordon, toi? Gordon, qui est lui? Non, il ne répond pas à ce nom. Avant? Pourquoi? Il répond plus à le nom de Gordon? Non, il répond à Sting. Et... Mais dans l'intimité, tu l'appelles Sting ou Gordon? Dans l'intimité, je ne vais pas te dire. Tu l'appelles Darling? Non, Shitface. Ah. Alors, on va faire une interview up and down. Upside down, boy, you turn me inside out. And... La chose que tu préfères dans la vie? L'amour. L'amour. L'amour physique ou l'amour immatériel? L'amour, tous les deux. Tous les deux. Et la évidemment. Chose, et la chose que tu détestes dans la vie, ce que tu ne supportes pas? L'injustice. L'injustice. Oui, je suis une Capricorne et je suis... Moi aussi. Oui, ouais. Quelle date? 6 janvier. Et moi aussi. Oui. C'est le jour des rois. Alors maintenant, le disque de Sting que tu préfères, ou de Police, disons. Si tu pars sur une île... De Police ou de Sting? Sting, il a écrit beaucoup de chansons de Police. Ouais, c'est pareil. Si tu pars sur une île déserte, lequel tu emmènes? Je pense que mon favori maintenant est They Dance Alone. Mmh. Ils dansent tout seuls. Parce que s'agit d'un... Sur l'Argentine. Oui, des femmes qui ont les... Les folles de mai, oui. Oui, ouais. Les enfants du Et celui oui. que t'aimes le moins, il y a bien que t'aimes pas quand même. C'est chansons. Ouais. Une chanson que t'aimes pas, tu dis, je me demande pourquoi il a fait ça. Je l'aime bien, mais enfin, franchement, je me demande pourquoi il a fait cette chanson. Oui, j'aime pas « Still My Beating Heart ». Ah bon? Non, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu ennuyant. Ça, c'est celui que t'aimes pas. Alors, ce que tu aimes en toi, ce que tu préfères en toi? En moi? Ouais. Vas-y. J'aime bien la petite Trudy, quand je peux la sortir et elle vient et elle peut sourire et ouais. Elle pense que tout est très amusant et drôle. Difficile pour les Capricornes de sourire. C'est, oui, t'as raison. C'est des gens sérieux, les Capricornes. C'est très difficile. Et quand j'ai le jour comme ça, je suis très, très heureuse. Parce que c'est plus rare que les autres. Est-ce que tu supportes pas du tout en toi? Quand je me fâche, je suis... une personne horrible. Ouais. Et tu es méchante. Elle l'aide. Elle aide. Ah bon. Je suis pas très belle quand même, mais quand t'es je. Bien, moi, je trouve. Quand... Merci. Non. Mais quand je suis en colère, je suis. Tu deviens terrible. Horrible. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là, ton mari? Qu'est-ce qu'il quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait ça. Il a peur de toi. Tu lui fais peur. Et qu'est-ce que tu préfères chez lui? Chez lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu préfères en lui? En lui? Oui, la chose de lui que tu aimes le mieux. Oh, ça c'est difficile. Parce que c'est un homme
qui j'adore, ouais. J'adore surtout tout le monde, mais il est cet homme le plus intelligent que je connais. C'est son intelligence que tu préfères en lui? Ça, c'est un des choses. Ouais, parce qu'il est pas mal non plus. Est-ce que t'aimes le moins chez lui? En lui? Ouais. Eh bien, un truc que t'aimes pas. Oh, mais il est... Quand on a parlé d'astrologie, ouais. Il est un balance. Ouais. Et le matin, il dit une chose, ouais. Une chose. L'après-midi, c'est d'autres. Et pour moi, qui est très voilà. Strict... Il change d'avis, quand même. Ouais, toujours, toujours. Mm. Qu'est-ce qu'il a de plus sexy? De... Lui, qu'est-ce qu'il a de plus sexy? Qu'est-ce que tu veux dire? The sexiest thing in him. About him? About him. On est tous les deux, tu peux le dire. Mais, écoute, tous les gens sont très très silents maintenant. Le plus sexy, j'adore son corps. Ouais, il est bien, ouais, c'est bon. On le voit souvent torse nu quand même. Ouais, voilà. Est-ce que t'aimes le moins? De lui, about him. What you don't like about him. Oh. Il n'est pas un peu prétentieux? Non, je trouve pas. Ah bon? Ça, écoute, ça, c'est les journalistes qui ont dit ça. Il n'est pas prétentieux. Mm. Écoute, il est un homme très, très intelligent. Mm. En plus, il a un visage... En plus, il le sait, quoi. Très beau. Ouais, il knows he's intelligent, yeah. Mais pourquoi pas? Ouais. Il n'est pas, on dit en anglais, shrinking violet, il n'est pas un fleur qui est comme ça. Non, il est très fier de ce qu'il fait. Non, je pense que le mot prétentieux est un mot des journalistes qui sont vraiment jaloux de lui. Tu l'aimes, quoi? Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.